Salut à tous, c'est Sorator pour une vidéo découverte sur la bêta multijoueur d'Uncharted 4. Donc sur PlayStation 4, forcément. Donc je lance la bêta pour la première fois. Je l'ai vu tourner de loin à la Paris Games Week, mais il y avait tellement de queue pour y jouer que bon, j'ai pas pu tester finalement. Déjà c'est dispo en français, ça c'est cool. Donc voyons voir comment ça se passe. Donc il y a des défis. Ok. Vous avez des points Uncharted en stock. Vous pouvez les utiliser dans la boutique pour débloquer de super articles, fantasy et bien plus. Ok. Donc par exemple, trouver un match, on part directement contre d'autres joueurs. Pactage, qu'est-ce que c'est pactage? D'accord, c'est l'équivalent des classes. Plus ou moins. Je jette un petit coup d'œil. Là par exemple c'est du fusil à pompe, donc plus efficace à courte distance. Il y a du sniper, ok. Bon, je pense que pour l'instant on va rester sur assaut, on va pas personnaliser. Personnalisation, on va regarder un petit peu. Déjà je trouve qu'il a bien la classe, Nathan. Ah, Sullivan! Oh, il fait plus vieux qu'avant. Je suis un peu moins fan déjà de son design. Elena. Elle est toute mimi. Samuel. Ouais. Charlie. Ouais. Il me paraissait un peu plus bourrin dans le 3. Lui le méchant. Ok. Knot. C'est qui ça? Bon, ça c'est... Je sais pas. Flynn. Et Catherine? Catherine, je vois pas qui c'est. Ça doit être une grande méchante, mais je sais plus. Peut-être dans le 3, je me rappelle pas. On peut mettre des chapeaux avec Nathan. D'accord, c'est verrouillé. Est-ce qu'on peut avoir l'aperçu quand même? Oui. Ok, bon, c'est bien, ça charge pas à chaque changement. Oh, les lunettes sont assez classe. Elena. Et on peut pas jouer avec Chloé par exemple. Mais what? Bon, je suppose que tous les persos ne sont pas dispo. Bien entendu. Ah, par contre, c'est les mêmes chapeaux pour tout le monde. Ok. Il n'y a pas de chapeau unique. Je pense qu'on va se mettre sur Elena. Ah, d'accord, on n'a pas la version débardeur. Alors, il y en a peut-être plusieurs de Nathan, non? En smoking? Ok. Je suis pas fan vraiment hein, de Victor, là. Sullivan, j'ai du mal. Mais... Pourquoi ils ont tous des smoking sauf lui? Lui aussi. Ok. Ah bien sûr, je peux pas prendre Nathan. Ni Elena. Ah, ils ont pris... Je sais pas... Oh, punaise. Bon, on va prendre lui. Je sais pas qui c'est. Mauvaise réputation. Content de voir que ça te gêne pas. Ok. Y'a que toi qui l'a dans le groupe où ils l'ont pas, parce qu'il faut avoir Uncharted, la collection de Nathan Drake, pour avoir accès à la bêta. Bon... Match à mort, basique. Diamant. Du fric. Ah, je les vois déjà. Ils balancent des grenades. Vous êtes sérieux, hein? Non, sinon mourir, ça vous dit pas. Je tire sur le mec. Putain. De merde. On va essayer d'avancer un peu, peut-être. Alors, je ne sais pas s'il n'y a qu'une map. Ah! Mais calmez-vous! Allez hop. Merde. Belle grenade. Best grenade ever. Je te tire dans la main, mon gars. Mais le mec! Ah, quand même. Bon, allez. Ah, il tire sur quoi? Sur qui? Je bouge. Je bouge, je bouge, je bouge. À 15h, tu seras pas là. Mais t'es sérieux, Joanne? Bon, on va écouter. Au moins une partie complète. Grappin, grappin. J'ai oublié la touche du coup, vu le temps que ça a mis à trouver une partie. Et je m'en vais. Ouhou. Je sais pas où je vais. On va essayer de voir si on peut contourner. D'accord, il y a un raton laveur. Tout va bien. Enfin, je sais pas ce que c'est comme bestiole. De toute façon, en théorie, tant que je tire pas, je ne suis pas visible sur le radar. Tiens, ça pop ici, ok.
Alors bien sûr, je ne connais pas la map, hein, je me balade complètement au pif. Ok, il y a du troll sur le live. J'ai des bruits sur la manette. Qu'est-ce que ça veut dire? Sinon, est-ce que je peux croiser des gens? Ça se passe comment? Ah! En frontal. Elena! Je vais te péter la bouche. Elena! Quoi? Comment ça se fait qu'elle m'a one shot? Je l'ai tapé en même temps. Je ne comprends pas. D'accord. Alors, est-ce qu'elle avait une amélioration? Je ne sais pas. Bon, je sens que je vais briller, comme d'habitude. Est-ce qu'on peut escalader? J'espère que oui, sinon je vais crever comme une merde. Non, c'est bon. Un petit diamant. Hop. Est-ce que... Ah! Pourquoi tu me tires dessus, toi? Comment on a accès au... Non, c'est comme ça. Donc 650 pour le machin, là, qui tire de partout. Ok, je peux pas grappiner dans ce sens-là. Ok, je suis légèrement perdu. Uncharted, c'est du caca de toute façon. Non, c'est une saga intéressante, je trouve. Elle est car, elle est à 3. Mais ils nous attendent là-haut, les trous du cul. Allez, go. Je grappine. Et je bouge. Attends, ça tire là-bas. Quoi? Qui? Quoi? Où? Je comprends rien. Au secours. Ah merde, ils ont posé un gros mec. Si je puis dire. Ah, dans le dos, dans le dos, dans le dos, dans le dos. À l'aide. C'est ma rampe. J'ai un copain à côté. Ah merde, il est mort aussi. Merde. Merdasse. Coup de grappin, elle m'a mis apparemment. D'accord, mais je ne sais pas comment elle fait ça. Il est bidon. Merci. Ça fait plaisir d'être soutenu en toutes circonstances. Hop. Donc lui, concrètement, je peux le sauver, mais bon... Non! Trouduc! Il y a Elena derrière, elle va me péter la bouche. Et merde, bouge ton cul! Allez, achève là, là! Grognasse. Anya! Au secours! Putain, bon, j'ai mis quelqu'un à terre, c'est déjà ça. Ah là là. Bon. On a accès à l'espèce de totem. On va essayer de le placer correctement au milieu des ennemis. Je sais pas si on a des points sur le but là. Leur gros costaud là. Putain, ça me vide le chargeur, please. Agne! Arrêtez. Hein. Oh putain, il se bouge le cul. Non mais please. Ok, assistance. Bon, j'ai participé, c'est l'essentiel, je suppose. Allez, go! Ils sont tous là, là? Comment ça marche? Bon, on va tenter de placer ce truc. Hop. Bouge ton cul! C'est cheaté, ce machin! Sérieux, regardez, ça bute tout le monde! C'est n'importe quoi! Et j'en ai accès à une deuxième, du coup, vu que je l'ai bien placé. C'est abusé. Mon dieu. Ah, Elena. On a un compte à régler. Tiens. Mange. Merci beaucoup. Ah, Sullivan, on a un compte à régler. Tiens, mange. Oh, c'est rigolo. Le corps à corps est plus fun déjà que sur Black Ops. En comparaison. Salut Soso, hello. Le 4 est énorme, j'attends avec impatience. Bah, je l'attends énormément aussi, mais là c'est cool déjà, c'est très joli. Je trouve ça déjà plus fun que Call of Duty. Hein. C'est pas du FPS. Je m'amuse un peu plus. Mais le mec, tu... Ça marche comment? Tu meurs jamais? Et merde. Ah ah! Je suis KO. Mon dieu. Ah, ils ont lancé le même truc que moi. Je m'écarte. C'est syncopé. Hop. Mais... Ah d'accord, je crois qu'il allait se foutrer, mon dieu.
Oh my god. Ah, ça augmente le prix par contre au fur et à mesure, ok. D'accord. On va se calmer sur les grossièretés dans le live, s'il vous plaît. Elena, j'aimerais bien que tu décèdes. Merci. Le roi du chaos. Merde, ils ont balancé un totem aussi. Bon, le mien était pas très bien placé là, j'ai pas récupéré beaucoup de points. Ah! Arrête. Le vilain monsieur. C'est parti! Je bouge. Équipement dispo, ok. On recharge. Il a bougé ou pas du tout? Bon, on va essayer d'aller le chercher. Je sais pas ce qu'il a fait, le monsieur. Ah non! Il m'a fait graffiner à côté. Non! Oh mon dieu. Salut à tous. J'aime Call of, on me dit. Ouais, c'est très différent quand même. Je m'amuse plus là-dessus que sur du Call of. Ça, c'est quoi ça? Relique. D'accord, j'ai trouvé une tête bleue. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ah! Voilà, merci. En fourbe, hein. Toujours efficace. Hop. Vous allez bien? Moi ça va, je trouve le jeu assez fun en fait. Agne! Au secours! À l'aide! Allez, coup de pied dans la bouche. Mon dieu. Franchement, c'est sympa, c'est dynamique. Je m'amuse bien, même si bon, je suis pas forcément brillant. Ça reste un rigolo. Oh merde, c'est une grosse patate! Merde, 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 merde. Anne! Eh hey, merde! Là, on est pas bien là. Nathan m'a tué! Oh. Le lance-roquette, on peut tester. Bien placé, ça doit faire mal. Bien sûr, faut le placer. Sinon, on a le gardien 800, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Hop. J'y ai accès là concrètement. Je pense que c'est. Mais balance ta grenade! Mais attendez, j'avais plus de grenade? Que va? C'est bien rien pour la grenade? Hein? J'ai pas compris là ce qui vient de m'arriver. Je voulais jeter une grenade donc le perso n'a rien fait. Pourtant, je venais de crever. C'est bizarre. C'est très très bizarre. Putain, mais ils ont mis des gros casques partout là. Oh, Elena! Ta bouche. Chaud devant! Elena! Je veux te bousiller la tronche! Merci! Good night! Elle croyait que je l'avais pas vu, je ne sais pas. Les victoires à l'arraché comme ça, c'est pas bon. Victoire? Ok, je suis pas le plus mauvais. 8-8. Bon. Ça va en théorie. Je me débrouille un petit peu, on va dire. Après, c'était relativement équilibré quand même. On va essayer de faire une deuxième partie, juste pour voir si c'est la même map. Et si on peut prendre un autre perso. Soso, quand même, vise droit. J'essaye. J'essaye. Est-ce qu'on change d'arme? Je ne sais pas. Assistance. Mais je connais pas les armes. C'est quoi, Mettler, là? Fusil semi-automatique. Juste pour changer, peut-être. Émet des impulsions qui rendent momentanément l'ennemi visible sur le radar. Mais j'aime beaucoup le colère de Eldorado là. Je trouve ça vachement cool. Mais ce serait bien de tester autre chose. Créer un champ d'inertie qui ralentit les mouvements de tous les ennemis. Ça on peut peut-être tester. Avec le fusil à pompe. Après je ne sais pas si on peut changer in-game. Ranimer vos alliés à terre. Ah, ça peut être pas mal ça. Par contre, ouais. Complice au sniper. Si, si, on va essayer ça, je pense, tactique. On partira sur du tactique pour cette manche. Donc c'est reparti. On va tenter le tag... Nathan, je prends Nathan. Direct. Qui t'aurait pu choisir d'autre? Ramasse les trésors et les reliques, ça rapporte. Ok, merci. Pour l'astuce. La santé des complices se régénère s'ils ne subissent pas de dégâts pendant une courte période. Oui, donc ça c'est comme en solo. Je pense pas qu'ils aient changé ça dans le 4, hein. Ça doit être le même principe. Il suffit de se mettre à couvert un instant, et on peut récupérer. Ah, il y a 5 Nathan. Please. Oh mon dieu. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, y'a que des Nathan Drake. Bon, y'a qu'une map apparemment. Donc bien sûr, ça viendra plus tard, hein, avec la version finale. Coute-moi ça. Merde.
Donc s'ils viennent là, je peux les faire péter. Ah, venez voir ici. Ouhou. Venez me chercher. D'accord. Même si je m'écarte, je vais plus savoir. Génial. Hop, alors attendez. Du coup, il ne peut pas avoir la grenade, moi ça va me déranger. En fait, c'est un timer pour la grenade. D'accord, je suis en train de voir que ça se recharge. Ok. Putain, please. Ils sont partis où? Ah, au secours, j'ai peur. Je bouge. Bon allez, on grappine pas, on reste au sol. Alors attendez, apparemment il y a quelqu'un là-haut. Il vient de mettre un copain KO. Et pas qu'un. Allez, pourquoi personne les aide? Allez, je te réanime mon gars. Hop. Toi, je t'abats. Merci beaucoup. Tant de convivialité, on abat les gens. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des bruits de manette. Merde, je lui ai volé son kill. Merde, merde, merde. C'était pas volontaire. Je voulais l'aider. Ah! My god. Ça tire sur quoi là? Il est où le mec? Il est capoute? Je ne sais pas. Tu joueras à quoi demain? Je ne sais pas. Il y a que le soir où je joue à Project Zero dans la journée. Ah si, il y a un peu d'Uncharted 2 justement demain. Encore une relique là même. 400. Faudrait que je fasse des kills là pour pouvoir lancer. Capacité spéciale. Bon, ils ont pas l'air d'être par là du tout. On ne peut pas avoir toutes les armes. Oui, non, mais c'est que je suis pas fan du C4. Je préfère largement la grenade classique. Après, je ne sais pas si on peut changer de classe en cours de partie. Ah ! Et merde. Je l'ai mis KO quand même ou pas ? J'ai pas compris. À l'aide ! Aide-moi! Je meurs! Adieu mon cru. Ah merde, j'avais un copain à côté de moi. Apparemment il s'est raté. Il a pas eu le temps de me réanimer. On a quelqu'un en bas. Allons lui péter la bouche. Et merde. Mais le coup de grappin, comment il fait? Comment il met un coup de grappin? C'est la deuxième fois qu'on me le fait, ça. Je ne comprends pas. Faut dégainer le grappin? Je sais pas. À tester, peut-être. C'est pas très clair. Donc c'est que ma deuxième partie, hein, je le rappelle. Alors attendez, on va faire une petite blague. Dans ta gueule. Venez. Venez goûter mon C4. Ah! Non! Au secours! Je veux pas goûter ton truc. Je sais pas si on peut les péter ces machins. Ça a pas l'air. Ça a pas l'air. Putain, dommage, ici ils sont pas venus. C4 mal placé. Alors je ne sais pas si je peux le récupérer. Je peux le récupérer, ok. C'est bon à savoir. Bon là je brille moins que tout à l'heure. Si c'est possible. 900. C'est quoi le truc? C'est pour soigner les alliés ou alors je peux appeler un sniper allié? Comment ça marche? Sniper allié. Donc il se balade et... Il tue des gens? Ok. On va rester à côté des brutes et de mon sniper. Qui s'appelle Galette. What? Non, c'est pas mon sniper. C'est un joueur, ça. Il est où, mon sniper? Ah, d'accord. Le mec a rien compris à la vie. Le sniper, je ne connais pas la map, on le place au pif. Je sais pas s'il se balade. Il va pas camper ici. Rassurez-moi. Oh, putain. Bon, au pire, il est à couvert, il peut faire des dégâts, je pense. Mais je l'ai pas placé intelligemment. Non. Pique pas le kill, bordel de merde, c'est un réflexe, c'est pas de la méchanceté gratuite. Enfin de la méchanceté, parce que je sais que c'est pas apprécié de faire ça. C'est pas vraiment volontaire, j'ai envie de dire. Goûte-moi ça. Ah. Est-ce que ma stratégie de merde marche? Non.
complice perdu. Non. Ah merde! Merde! Ça one shot direct. Tu te prends un coup de pied dans la tronche, ok. Tu meurs. Bon bah là je suis mauvais hein, par rapport à la première. Ah merde, c'est un... Oh, aidé. J'avais pas capté. Alors ce que j'ai, c'est pour réanimer ou pour redonner de la vie? Mon truc spécial là. Ranime n'importe quel allié automatiquement dans la zone d'effet, ok. Donc ça quand il y a du chaos, c'est bon à utiliser. Oh secours. Oh secours. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mon dieu. Là je suis très très mauvais. Dommage. La première partie était plutôt cool. Bon c'est pas grave. Et pourtant on mène au score alors je dois être le plus mauvais de la team cette fois. Putain, y'a quelqu'un derrière moi, mais what? Que ah? Le radar est bidon, non? Laissez-moi sortir de là. Merci. T'as un coup de grappin. Faut que j'essaye, bordel. J'ai pas le... Là, je l'aurais fait. Ça aurait été le premier qui te frappe qui aurait gagné. Punaise. Un coup de grappin, ça doit être ça plus carré, hein, je pense. Faut que je m'en serve. Faut que je m'en serve au corps à corps. Coucou. Ok, on sait où ils sont. Ils sont perchés là-haut. Là. Voilà, coup de grappin. Essayez de m'arrêter. Parfait. Ça marche plutôt bien du coup. Pas si simple on dirait. Ouais. Non mais c'est que je suis mauvais au jeu comme ça, c'est tout. C'était la chance du débutant, tout début je suppose. Hop. Alors demain en live, je ne sais pas ce que je fais dans la journée. Si, j'ai répondu Uncharted à 14h. Je continue le 2. Ah non 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 non. Roule. Roule Nathan. En fait, c'est pas si cheaté que ça, hein. Faut être touché 4 fois pour être mis KO. Alors après, bien placé, ça peut être bien emmerdant, mais c'est pas non plus un truc... Mais... Il est où? Depuis tout à l'heure, il y a un mec qui gambade, il s'est fait descendre. Hop. Allez. Bim, le C4, ça marche. Ok, Yososo, courage, merci bien. Attendez, mais on va essayer de le choper au corps à corps. Tiens, dans la bouche. Faudrait qu'on place un sniper intelligemment, là. Ça pourrait permettre de faire des kills, surtout qu'il reste pas beaucoup de temps. Sniper, laisse-moi te placer. Là, il y a quelqu'un qui est mort, il y a bien. Bon, allez, on place au pif. Ah, j'aurais dû le placer là, là. Et merde. Il est où? Tiens. Des fois, je ne m'épate pas moi-même. Tiens. Tiens, je suis vénère. Je suis le dernier de ma team. Oh mon dieu. 3-6, ouais c'est moins bon que tout à l'heure. Y'a qu'à la fin où je me suis un peu réveillé. Oh mon dieu. Bon bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo découverte sur la bêta. C'est assez cool hein, je suis assez content en fait. Je m'attendais à un truc un peu bidon et ennuyant. Mais au final, c'est pas mal du tout. C'est dynamique. Y'a des armes assez sympas, les trucs spéciaux L1R1. C'est assez cool, les espèces de totems là. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine sur d'autres vidéos. Salut !